Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. Je suis ravie, les amis, de vous retrouver pour notre tirage du jour dans notre semaine chargée de mystères. Tirage du jour du jeudi 26 octobre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors, 26, 6 et 2, 8. Comme je me plais toujours à dire, le 8, la journée des petits ou des grands bobos. Par exemple, on se cogne, on a un bleu, on est sur le petit bobo. On tombe, on se luxe quelque chose, on se casse quelque chose, on est sur le grand bobo. Dans la justice, c'est la même chose. Vous avez la petite sanction, la grande sanction. Bien sûr, la petite sanction, on est contrôlé avec les demandes de papier, par exemple. Hein, petit contrôle de papier, on a oublié son portefeuille. Bon. Nous sommes sur la petite sanction, là, parce qu'il y a forcément une amende, quand même, qui va tombér. Mais, on enfreint le code de la route, ce que, bien entendu, je ne vous conseille pas. Là, nous sommes dans la grande sanction. Côté professionnel, là, il peut y avoir une ascension sociale ou une promotion. Mais, toujours l'affaire dans la justice et la justesse des choses, sinon, gare au retour de bâton. Sentimental, on est dans la belle rencontre. On est dans la passion, le retour aux sensations. L'amour passionnel et la métamorphose amoureuse si l'on est déjà en couple. Le côté négatif et positif de notre 8. Alors, en positif, on est persévérant. Travailleur, on peut soutenir une cause. On est brillant et bien décidé. Côté négatif, on peut se montrer trop ambitieux, tyrannique d'ailleurs, hein. Pas trop se soucier des autres, être vraiment irritable, impatient, voyez-vous. Le jeudi, associé à Jupiter, on est dans la sagesse, la spiritualité, le côté, tout ce qui est humanitaire, protection. Les couleurs associées à notre jeudi, le jaune et l'or. Voilà, vous savez tout. Alors, une carte est tombée de notre oracle de la sorcière, la sagesse des sorcières. On va regarder un petit peu cette carte qui a voulu parler. Et nous avons aujourd'hui Red Vican, Ethos, la loi vicane. Il est noté, dans un parfait amour et une parfaite confiance, 8 mots sont l'accomplissement du Red Vican. Si tu ne blesses personne, fais ce que tu veux. Garde à l'esprit la loi du triple. Ce que tu envoies te revient en triple. Suis cela avec ton esprit et ton cœur et heureux seront tes rencontres et heureux les départs. Ethos, le Red Vican. Bon, ça m'a l'air d'être un message plutôt très très profond. Hein. On va regarder avec notre oracle, notre message, déjà plus profondément ce que ça veut dire. Déjà, cette carte, elle vous dit de vivre selon le mode vicant, dans un amour parfait et une confiance parfaite. Ce qui vous est envoyé doit vous revenir, de droit. Fidèle à ses paroles, vis, étudie et apprends. Cette magie est mise en œuvre sans danger pour personne, qu'il en soit ainsi. Voilà, c'est fait. La sagesse des sorcières vous dit: tu n'es pas du genre à respecter les règles. En fait, tu te bats contre les choses auxquelles tu dois adhérer. Tu as une tendance naturelle à la rébellion, ce qui t'a amené à avoir des problèmes. Mais continue à faire honneur à cet aspect de toi, car il te rend d'autant plus merveilleuse. Cependant, en tant que sorcière active, il est essentiel que tu aies de l'intégrité dans tout ce que tu fais. À tout moment, tu dois suivre le Red Vican. Tu peux être bien certaine qu'il n'a pas été mis en place pour gâcher ton plaisir, mais pour sauvegarder les praticiens en magie de tout mal qui pourrait se faire à eux-mêmes et aux autres. En deux mots, on peut sortir un petit peu de son chemin, bien entendu. Chacun a sa façon de faire, d'agir, mais toujours revenir dans la loyauté, le droit. Ne pas faire comme on l'a dit tout à l'heure, en plus c'était avec le chiffre, j'ai dit 8, justement attention à ne pas faire quelque chose qui pourrait vous revenir contre vous. La prédiction des sorcières vous dit: élève ton niveau, adopte une éthique, comprends l'importance de la loi du triple retour et le principe de cause à effet.
Vis selon le Red Vikan. Il va changer ta façon de voir le monde, ta situation et le résultat d'actions passées. Ouvre ton cœur et aie confiance. Et je dirais même, aujourd'hui, attention justement à ce que vous allez faire, dire, mettre en pratique ou en place par rapport à ce triple retour. On met en place, on invoque du bon pour être sûr que c'est le bon qui va nous revenir. Très très joli message pour notre jeudi associé au 8. Je trouve que c'est vraiment une belle synchronicité. Hein, allez, monsieur le jeu de 32, jeudi 26 octobre. Jeudi 26. Bon, elle veut parler. On est sur un nouveau départ. Nous avons sur quelques... Peut-être une grossesse autour de vous également. On voit qu'on a envie de démarrer quelque chose. Avec certitude, ça parle, hein, dites-moi. Il y a une dame de carreau qui s'est montrée, là. Il y a un événement lié au lointain, là. Mais attention tout de même autour de vous. Donc, on reste parfaitement aligné avec la justesse des choses et la justice divine. Nous avons une situation qui est validée d'extérieur autour de vous, du lointain, avec un homme. Ça peut être le même, votre chéri. En tout cas, en lien avec ce chéri, il y a également une autre personne, fils, petit-fils. Oh, on a des projets là. Il y a quelque chose qui se met en place qui est dû en dehors de votre cadre habituel, de votre foyer habituel. Un projet, une situation. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Au dos, nous avons... Nous retrouvons ce jeune homme, peut-être vos chéris, s'il est plus jeune que vous, de quelques jours, de quelques semaines, de quelques mois, mais ça peut être aussi un fils, un petit-fils, un homme autour de vous. Quelqu'un de la famille, en tout cas, de la maison. Oh, attention que cette personne ne soit pas mal, un état d'esprit un petit peu travaillé, hein, le mental. Ou bien tout simplement qu'il soit malade. Soyez vigilant. Vous, ma consultante, autour de vous, il peut y avoir un homme qui n'est pas bien là. Hein. Si ce n'est vous, par contre, on voit très bien que les choses vont être prises en main. En tout cas, ça va s'arrêter. Et on va faire quelque chose de plus sympathique, on va dire. Les choses vont être prises en main. La situation va se guérir. Nous avons... Il va sans dire, certainement, dans la maison, famille, foyer, peut-être une mauvaise nouvelle qui va vous arriver, mais quelque chose que vous allez réussir à retourner à votre avantage. Hein, d'accord? En dominant, nous avons les finances. Alors, peut-être qu'il y a effectivement un souci de partage au niveau argent. Bon, en tout cas, mes amis, vous avez ici les finances. Nous avons des champs pas tellement sympathiques autour de vos finances. Attention, prudence. Peut-être aussi que les finances ne vont pas tellement bien en ce moment. Ça sort beaucoup. Hein. Nous traversons tous des difficultés. Il va peut-être falloir un face-à-face. Là. Il est peut-être prévu de rencontrer quelqu'un à propos des finances. Hein. On voit bien qu'il va y avoir un rendez-vous. Quelque chose d'inattendu, sans doute aussi. Une surprise. C'est dans le domaine professionnel. Est-il question d'argent? Est-il question qu'on ne vous donne pas votre dû? Parce que avec ce valet de pique, ce n'est pas forcément positif, hein, d'ailleurs. Hein. Il est question, je pense, de rendez-vous, de discuter finances dans le milieu professionnel pour certains. Il y a bien des projets qui sont là. Hein. Pour d'autres, si ce n'est pas l'activité professionnelle, il y a des projets qui entraînent le financement, le financier, bien entendu, sur une situation du lointain. Un projet qui est en dehors de votre foyer habituel, de votre cadre de vie, autre département, autre région, autre voilà, peut-être question de changement aussi, de déménagement. Je venais de le dire, parce qu'on négocie un petit peu son salaire aussi, on va peut-être gagner plus, c'est pour ça qu'on a des projets de partir. C'est vous mon consultant, ou c'est en lien en tout cas avec un homme autour de vous. Il est bien question de faire des petites démarches, des petits déplacements à ce propos. On va signer quelque chose. Il y a un engagement, un contrat là, hein, qui est signé.
tout à fait amicalement avec quelqu'un de tout à fait sympathique, en toute sincérité pour ce contrat. Maintenant, il pouvait aussi être question pour votre fils, votre meilleur ami ou votre frère, d'un engagement, d'une signature. Attention tout de même, s'il y a un partenariat ou au niveau professionnel, il y a des gens, il y a de la sournoiserie, hein. Bon, là, la signature, elle se fait, c'est certain. Faites attention pour une jeune personne, voire même pour cet homme, hein. Il y a autour du travail professionnel, c'est peut-être pour ça que vous voulez en partir, d'ailleurs qu'il y a des projets, il y a de la sournoiserie, hein, au niveau travail. Bien, on voit qu'il est question d'acter quelque chose, de signer un changement au niveau professionnel, il va sans dire. Peut-être parce que justement, on veut sortir de ce problème qu'il y a eu, de l'arnaque ou autre, ou de la jalousie, que sais-je. Pour votre fils, votre meilleur ami, votre frère, ou bien pour un homme, hein, autour de vous, il y a des projets en tout cas. On va forcément se déplacer, il va y avoir un face-à-face, hein, d'une situation qui est un petit peu plus lointaine, ça va faire un petit peu de route. Mais en tout cas, on voit très bien que c'est un entretien que vous attendiez. Hein. Il peut même y avoir vraiment de l'inattendu. Hein. Alors, le 7, il n'y en a qu'un. Le 8, il y en a deux. Le 9, il n'y en a qu'un. Le 10, il y en a trois. Nous avons 3 10. Les 3-10, on est sur un changement à l'horizon, il va sans dire qu'on le voit bien. Changement professionnel, activité du moment. Valet 2, roi 2, as 1, 2, très bien. Alors, on va en mettre une sur notre valet de pique quand même. Prudence au niveau professionnel. Je pense que vous quittez ce milieu. C'est pour ça, d'ailleurs, que vous actez un nouvel emploi. Maintenant, il se peut aussi que vous soyez en train de signer un nouvel emploi, un contrat de travail, mais ça va peut-être attiser la jalousie. Hein. Il y a quelque chose qui s'arrête avec, je l'ai dit tout à l'heure, en fait, il y a quelque chose qui s'arrête avec cette jalousie. On ferme, ça vous mettez vraiment en instabilité. On a vraiment projet de quitter cette instabilité. On a les finances ici. Il y a quelque chose d'inattendu. En tout cas, il va y avoir un entretien. On va discuter finances. On va signer un contrat. Il va falloir faire une petite, un changement. Il va falloir faire un petit peu de route. Mais c'est peut-être pour gagner un peu plus également d'argent. On voit très bien qu'avec certitude, il y a quelque chose de validé, hein, au niveau professionnel, activité. Vous allez vous retrouver en face à face avec des gens pas forcément sympathiques, hein. Et pas forcément non plus que vous portez dans votre cœur. Malgré le fait que vous allez gagner, peut-être vous avez pu négocier votre salaire. On voit qu'ici, il est question de projet. Pour votre fils, votre meilleur ami, votre frère, ou tout simplement des projets avec cet homme, en lien avec cet homme, tout à fait amicalement et tout à fait sincèrement. Bon, et on va regarder avec notre oracle des miroirs. Allez, jeudi 26. Jeudi 26, oracle des miroirs. Jeudi 26. À la coupe. L'organisme. Nouveau départ avec un organisme. Des nouvelles qui vont peut-être arriver de cet organisme. Il se peut aussi qu'un enfant soit concerné au niveau d'une inscription peut-être de quelque chose. En tout cas, il y a beaucoup de jalousie autour de ce nouveau départ. On l'a vu tout à l'heure. Hein. Et peut-être que justement, on ne se sent pas bien dans ce groupe, dans ce clan. On voit très bien qu'il va y avoir une opportunité qui va se faire, les amis. Non seulement elle va se faire, mais elle vous amène vraiment quelque chose de nouveau. Vous allez pouvoir sortir de cet enfermement et dépasser tout ceci, recréer quelque chose. Il peut être question également de grossesse autour de vous. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, treize. Au dos, nous retrouvons cet organisme qui vous avait posé un petit problème, où je pense que vous sortez d'un endroit de réunion qui vous avait peut-être un petit peu déstabilisé. On voit bien qu'il est question quand même de démarrer quelque chose de nouveau dans votre foyer,
un projet dans votre maison. On démarre pour certains peut-être une nouvelle histoire sentimentale également. Et ce n'est que du bonheur. Vous avez la perception que c'est comme un miracle qui se passe et qui se produit là. Peu de questions de grossesse hein, qui est annoncée comme ça spontanément également dans la famille. Alors, en dominant, nous avons... Nous retrouvons cette jalousie qui a été fortement marquée, puisqu'on a pu le voir également dans le jeu de 32. Vous avez le dessus, les amis, vous avez un grand oui, vous avez une réponse plutôt positive vous concernant. Bien que vous culpabilisez, et je pense que c'est en lien avec cette jalousie, je pense qu'on essaye de vous culpabiliser. C'est un homme, j'ai l'impression qu'il y a une histoire avec un homme autour de vous, peut-être des soucis aussi de jalousie maladive avec un homme. C'est peut-être vous aussi, hein. Alors, on va acter quelque chose. On va acter le fait peut-être d'être moins possessif et moins jaloux. Ça peut quelquefois nuire à une relation. On voit très bien qu'également, vous allez, en lien avec un homme, signer un contrat, un engagement qui est perçu vraiment comme une bonne nouvelle, hein, comme un cadeau que l'on vous amène. C'est le travail, tout à fait. On a pu le voir avec le jeu de 32. Pour certains, vous démarrez. Alors, je pense que pour certains, vous démarrez un nouveau travail qui va entraîner quand même de la jalousie. Hein. Pour d'autres, vous quittez un endroit un peu pourri, entre guillemets. Excusez l'expression, mais quelque chose qui était malsain pour rentrer dans, un nouveau contexte professionnel. Vous allez retrouver une certaine paix, tranquillité, les amis, d'avoir acté quelque chose de nouveau. Il était temps, j'ai envie de dire. Hein. Je pense qu'il était quand même grand temps de bouger. C'est bien vous qui êtes concerné, ma consultante, mon consultant. C'est bien pour vous ces énergies-là. Vous allez pouvoir enfin utiliser votre petite voix intérieure et vos intuitions surtout. Les mettre en place. C'est quelque chose qui est acté complètement officiellement. Peut-être allez-vous vous mettre à votre compte, d'ailleurs, dans la médiumnité, dans quelque chose qui vous porte vraiment, qui vous tient à cœur. C'est peut-être aussi dans le bien-être, hein, dans les séances avec tranquillité, je tilte. En tout cas, il y a quelque chose qui est décidé, acté très officiellement. On a là le verdict qui tombe. Ça peut être un jugement, une séparation professionnelle, un dédommagement. On l'avait vu, les finances qui étaient là, donc une rupture conventionnelle. Il peut y avoir tout ça, parce que je vois que la carte de travail est là aussi. Hein. Je pense qu'il peut simplement être question, effectivement, de valider quelque chose des plus officiels. Il y avait beaucoup de jalousie, hein, vous l'avez vu clair dans ce jeu-là. Eh bien, pour retrouver la paix, vous allez sortir de cet état, vous avez signé quelque chose, on acte quelque chose de tout à fait officiel. C'est un grand oui pour vous, hein, notamment vin collé là. Hein. On a la justice qui s'en est peut-être mêlée dans le cadre du travail. Ça a mis du temps, hein. Ou alors on va encore vous demander un petit peu de patience. Il peut y avoir un souci avec un homme, hein, un litige avec un homme. Allez, j'en mets une sur jalousie et culpabilité. Alors, la jalousie, ça fait un moment que ça dure, hein. On essaye, en fait, cette jalousie, elle est là pour vous faire, on a essayé de vous retarder, on essaie de vous retarder, de signer, d'acter, d'évoluer, mais on voit très bien que il y a un cadeau qui est arrivé là, hein. Beaucoup d'émotions qui reviennent là, beaucoup de passion dans ce que vous faites. Je pense que vous faites quelque chose aussi, vous avez peut-être eu envie de faire, de mettre en place quelque chose au niveau professionnel qui vous tient vraiment à cœur, hein, pour lequel vous êtes fortement passionné. Hein. Il se pourrait aussi, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, un verdict qui est rendu, notamment peut-être un jugement de divorce avec cet homme qui est là, justement. Le verdict a été rendu et il est plutôt positif. Hein. Allez, on va regarder avec Monsieur Méline. Pour notre jeudi 26. Jeudi 26. Jeudi 26. Jeudi 26. Nous avons la stérilité, les choses qui ne bougent pas. Peut-être que ce sont des atteintes. Hein. Avez-vous l'impression aussi, sans doute, que pour des mouvements d'argent, pour l'instant,
C'est en statu quo, ça ne bouge pas. Ça fait un moment qu'on attend, on est en délai. Les délais, vous les semblez longs. Peut-être on vous demande encore d'attendre pour une promotion, pour un dû, pour quelque chose qui vous est dû financièrement. Il y a beaucoup de... On parle, hein, ça discute, et effectivement, vraiment le sentiment que ça ne bouge plus ou que ça avance très, très, très lentement. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize. On a ce bateau sur l'eau là qui nous montre que les choses évoluent, avancent, mais lentement, effectivement. En tout cas, il y a du mouvement. Déjà, ce n'est pas fixe. Alors, on parle dans votre dos, hein, ça cancane, ça cancane. Eh bien, ça ne vous touche pas, hein, d'accord? Ça reste complètement stérile. Il y a du bonheur, une main tendue qui va arriver là sur une situation qui touche peut-être une personne âgée ou vous-même, hein, sur quelque chose qui ne bougeait pas. Vous aviez l'impression que ça ne bougeait pas. Eh bien, on va prendre certainement des informations, être éclairé. Et ce changement, il est là. On voit qu'il arrive, les amis. En dominant, nous avons la renommée. Ce que vous allez dire, faire, mettre en place, à un moment donné ou à un autre, vous allez être entendu, vous allez être écouté. Ça peut concerner un procès. Vous avez enfin été entendu, écouté. Ce procès, il est là. Vous avez peut-être dû mettre en place un procès où vous êtes en attente de verdict, et vous avez l'impression que ça n'avance pas, on a pu le voir, et qu'il y a du retard dans ce jugement ou ce procès. C'est vous qui êtes concerné, hein, bien entendu, ma consultante. Bon, les plaisirs vont revenir, les choses qui vont vous faire plaisir sont pas loin du tout, si vous agissez avec sagesse, maturité, voilà, on se calme, on essaye de pas trop sortir du terrain non légal, bien entendu. Ça peut être un héritage, hein, on est en attente d'un procès d'héritage, de mésentente également en famille. Là, il peut y avoir une histoire de couple, on le voit ce couple, donc on peut être en procès à divorce, comme on a pu le voir avec le jeu de tout à l'heure, ou c'est tout simplement le couple qui est en attente de projet également. Il y a quelque chose de beau qui va se présenter à vous. On aime bien voir ces cartes-là, regardez ça, le couple est protégé par la grâce. Si vous avez en couple des projets suite à un procès, en attente de réponse, en attente de solution, vous êtes très, très protégé, puisque nous avons la grâce. Hein. Et juste avant, nous avions des choses belles qui vont arriver. Si ça n'est pas, après, si vous n'êtes pas en couple, c'est tout simplement avec l'intermédiaire d'une tierce personne, il y a du bonheur qui va arriver en famille, de la joie, quelque chose qui va, enfin le verdict va tomber. Hein. Il y a pu y avoir quelque chose qui a été mal, c'est pour ça qu'on a mis en procès d'ailleurs, à un moment donné, c'est anéanti puisque nous avons la grâce, hein, des cartes qui sont très fortes. Donc oui, on voit bien qu'à un moment donné, il y a eu forcément quelque chose puisqu'il y a un procès. Ça coule de source et regardez ça. Je venais de dire, on n'a pas la carte bleue, j'allais vous le dire. Mais si, bon, elle est là. Donc, c'est tout atténué. Hein. Vous avez une super protection en couple, à deux, avec des projets. Il va y avoir en tout cas quelque chose qui va être fêté, donc ou couple, ou enfin un procès, quelque chose qui tombe, qui est là. On avait vu cette renommée par rapport à un événement, une situation qu'il y a eu. Ça peut être un accident de travail, ça peut être un accident comme on l'entend, ça peut être un pépin familial. Il y a de l'invitation, on va le fêter. Hein. Il y a quelque chose, il y a une belle reconnaissance. Hein. Les choses ont été menées rondement avec sagesse, même si ça a pris beaucoup de retard, il y a du plaisir qui revient. Le procès, il est là, de toute façon. Ça peut concerner un héritage, ça peut concerner une situation familiale. En tout cas, il y a de la beauté, il y a quelque chose qui va arriver et qui va vous permettre d'ailleurs de fêter ça, hein, une belle invitation. Hein. Je vous mets sur un accident pour voir. C'est cancan et cancan et cancan. Tout simplement parce que si les choses s'arrangent pour vous, comme on le voit avec la beauté, la sagesse, la renommée, la grâce, les deux cartes les plus fortes, les amis, hein, par rapport à ce procès qui est entouré. Donc, il y a du plaisir là. Hein. On va fêter quelque chose. Hein. Eh bien, ça attire forcément la jalousie. On commence à avoir l'habitude, n'est-ce pas? Allez, on va terminer une petite carte chacun. Et je vais prendre... j'hésite.
pour alléger sa charge mentale ou s'aimer et s'accepter. Allez, on va prendre pour s'aimer et s'accepter pleinement. Pour notre jeudi 26. Allez, balance. Je me libère du regard de l'autre pour reprendre mon identité. En jouant un rôle, je me perds. Est-ce vraiment ce que je veux? Je comprends que lorsque l'autre porte un jugement sur moi, il parle de lui-même. Et vous pouvez entendre le vocalisme de Saphir qui nous accompagne. Vierge. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Se dire « je t'aime » est l'une des premières étapes sur le chemin de l'acceptation de soi et c'est surtout le début d'une grande histoire d'amour avec soi-même. Je répète cette affirmation tous les jours et j'observe les changements. Poisson. Je me fais plaisir. Aujourd'hui, je m'occupe de moi sans culpabiliser, je savoure et je profite de ces petites bulles enchantées. Se sentir libre dans sa tête, se sentir libre d'être soi-même. Capricorne. Je commence la journée par un compliment qui me fait du bien. En me regardant dans le miroir, lequel me vient spontanément à l'esprit. Verseau. Je m'aime imparfaite, mais authentique. Le jour où je commencerai à aimer mes imperfections, ma vie sera transformée. Mon corps, je le regarde avec amour et fierté. Je lui souris face au miroir et je le remercie tous les jours. Scorpion, le chakra du troisième œil, je vois, associé à la couleur violette ou indigo. Un chakra du troisième œil équilibré me procure une clarté de l'esprit, un éveil spirituel et une imagination fertile. Il m'aide à développer des perceptions extrasensorielles, une clairvoyance et un dialogue avec les mondes invisibles. Je me reconnecte à mon intuition. Sagittaire. Je sais que les réponses sont en moi. Inutile de chercher à l'extérieur, tout est là, depuis toujours comme un trésor enfoui au fond de mon âme. Je me connecte à mon cœur pour recevoir les messages subtils de l'univers. Gémeaux, j'aime l'énergie de la vie, elle a le pouvoir de me guider. Je remarque à quel point mon taux vibratoire augmente lorsque je suis dans une attitude de bienveillance et d'amour avec la vie. J'accueille avec joie les messages et les cadeaux de la vie à bras ouverts. Bélier, je suis seule responsable de ma paix intérieure. Plus de course effrénée, de peur que tout nous échappe, le grand saut dans l'inconnu peut être effrayant mais salutaire. Pour affronter les peurs, les blessures du passé, c'est la clé de la libération. Lion, je prends de la distance avec les comportements toxiques. Pourquoi devrais-je subir ces attaques? J'ai le droit de m'en éloigner pour mon équilibre intérieur. Reconnaître ma propre valeur, c'est vivre dans le respect de mon être. Cancer. Je suis la créatrice de ma propre vie. Je suis le ou la seule responsable de ce que je crée dans ma vie. En le réalisant, je passe du statut de spectateur, spectatrice, à acteur, actrice. S'ouvre alors d'infinies possibilités que je n'osais même pas imaginer. Taureau. Le chakra sacré. Je ressens, associé à la couleur orange, un chakra sacré et qui me procure de la joie, du plaisir sexuel, de la créativité et la capacité d'exprimer mes émotions. Il m'aide à trouver mon identité profonde, à ne plus culpabiliser. Je me connecte à son élément, l'eau. Voilà les amis, j'espère que ce tirage du jeudi 26 octobre vous aura parlé, vous parlera, vous aidera.
Merci pour votre présence et fidélité à ma chaîne. Merci de partager, liker, de mettre un pouce j'aime. Vous faites grandir la chaîne. Merci, merci. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain.